Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette petite découverte, enfin petite ce live découverte sur Dead Island 2. Il est sorti, ça y est, aujourd'hui et on se lance directement dessus grâce à Deep Silver qui nous a fourni une clé que je remercie direct dès le début pour ne pas oublier pour commencer. Dead Island, si vous ne connaissez pas, c'est donc la suite de Dead Island, premier du nom, et de Dead Island Riptide, qui sont sortis il y a quand même près de 10 ans maintenant, enfin plus de 10 ans pour le 1 et près de 10 ans pour le Riptide. La suite se faisait un petit peu attendre, c'est un petit peu l'ancêtre de Dying Light qu'on avait déjà fait sur la chaîne, et qui en gros le concept était qu'on était plus ou moins des touristes échoués sur une île qui se trouvait zombifiée, c'était la merde, il fallait essayer de s'en sortir. Dans le 2, alors vous allez voir, hein, on voit très bien la petite patte Saint-Tro qui est passée par là. On est à LA, visiblement, l'infection de zombies s'est un petit peu répandue. Et on doit essayer de survivre. Alors j'ai pas été très très loin, j'ai juste testé rapidement le jeu. J'ai fait la première demi-heure de jeu, on va dire, histoire de voir un petit peu à quoi m'attendre, faire tester les settings, vérifier que ça plantait pas trop, genre de choses. Donc on est sur un jeu de FPS zombie, avec différents moyens de tuer les zombies, hein, pas forcément au shooter, mais à la première personne. Il coûte 60 €, ce qui est quand même assez important, mais je pense qu'il les vaut. Si vous êtes un fan de la licence, il n'y a pas à photo. Et même sans ça, si vous aimez les shooters de zombies, de ce que j'ai pu en voir, il est quand même très bon. On va retrouver du craft, on va retrouver de l'amélioration des armes, on va retrouver de l'usure, on va retrouver de la gestion de la vie, etc. Avec différents types de mouvements. Donc plutôt sympathique. On va rebasculer sur le jeu et on va lancer une nouvelle partie. Je vais vous laisser la petite intro qui fait un petit peu de mise en contexte. Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them. Can you catch me? Sexy. Wow, looks like we're fully booked. Better grab my seat. There better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be mine with Jackie. This'll do. Oh my god, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? She always likes surprises. C'est parti pour la petite mise en contexte. Donc comme vous voyez, on essayait de s'enfuir de LA plus ou moins tous en taxant les places, et ben malheureusement il y avait un zombie dans l'avion, et du coup visiblement le code Zulu quand il y a un zombie infecté c'est on démonte l'avion au lance-missile, simple et efficace.
Donc, on va pouvoir choisir nos différents personnages. Alors, ils ont différents attributs, hein, classiques. On a Jacob, qui est farouche. Bonus mineur de dégâts quand il attaque d'affilée et quand son endurance est basse, il a un bonus de dégâts critique. Et visiblement, il est plutôt fort en santé. On a Bruno. Il a un bonus de dégâts quand il attaque de derrière et il a un bonus d'agilité et de charge d'attaque puissance quand il évite une attaque. Ok, très bien, et plutôt un critiqueur. On a Carla. Bonus meilleur de dégâts quand il y a plusieurs zombies proches et un bonus de résistance quand sa santé est à un niveau critique. Très bien. On a Dani. L'attaque puissante déclenche une forte explosion et elle reprend de la santé quand elle tue plusieurs zombies. Par contre, du coup, sa régène de vie, c'est pas trop ça. Et on a Ryan. Il a un bonus de force quand il évite une attaque et il gagne de la santé quand il met un zombie à terre. Ok. Alors j'ai testé le jeu. Ah, et on a aussi Amy, bien sûr. Il y a aussi Amy. Elle gagne de l'endurance quand elle touche avec un lancer d'armes et elle a un bonus de dégâts quand elle attaque un zombie isolé. Alors le jeu se joue en multijoueur. Hein. Il est fait pour ça. Là, on va jouer en solo parce que, bah, vu qu'il vient de sortir, on n'a pas encore eu l'occasion de trouver des gens. Sachant que c'est une exclue Epic pour le moment. Donc il y a pas mal de synergie entre les personnages bien évidemment. On va jouer. Je vais tester Carla pendant mes tests, et donc je vais la reprendre parce qu'elle est plutôt pas mal. Avec son bonus de dégâts quand il y a plusieurs zombies proches. Qui est quand même intéressant quand on est en solo, je pense. Idem avec le bonus de résistance. C'est pas ça que je voulais faire. C'était entrée. C'est parti. Nous revoilà dans l'avion. Et on est parti, on a un bout de métal dans le bide, mais tout va bien, on est badass, on l'enlève. Et on se vide de notre sang, bien sûr. Et salut Zonlidou, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Juste sur le moment de badassitude du début du jeu. Une petite seringue, un petit bandage. Time to go. Donc, notre premier objectif, foutre le camp d'ici. Simple, efficace. Alors les graphismes sont quand même vraiment pas dégueux. Et le jeu est plutôt bien optimisé, hein, même si vous n'avez pas la dernière carte graphique qui pète, ça a quand même de la gueule et c'est jouable même en 4K. Alors on est en 1080 parce que j'ai pas le matos pour du 4K, mais il est quand même plutôt bien optimisé. Alors on va avoir une petite session tuto hein, au début, comme d'habitude. La zone Lido, n'hésite pas à me dire si tu m'entends bien. The fuck? Ça y est, on commence déjà à avoir des personnages qui disparaissent. Tout est parfait, nickel. Sa force sympathique. Hein. Allez, on a pris le perso qui a une bonne régène de vie, donc du coup, ça va, notre état de santé. S'améliore relativement rapidement, comme par magie. Par contre, je trouve que l'avion, l'épave de l'avion, il y a de quoi caler 3 avions dedans. Alors, on a une petite torche. Ça, c'est fait.
bien. J'aime les portes qui s'ouvrent toutes seules. Ça va être le genre de jeu où on va être un petit peu stressé. Un peu moins pendant le tuto. Ah, c'est la merde. Fuck! Enough of this! Pas de bol. Le petit réacteur qui explose. Pour l'instant, on est bien guidé, hein. On peut sprinter. Les effets de lumière sont quand même plutôt sympathiques. Almost there. Will you stop firing those bloody flares? What? Stop firing those flares! We've only got a few left! What was that? There's something in the plane. Stay back. Allons-y. Whoa, 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 we're good! You guys okay? Just a few bruises. I think we got lucky. I'm Michael. Carla. Oh, this is fucking tremendous! Emma, darling, I'm so sorry about Robert. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker! Will you stop standing there and find me some fucking shoes? Yo, dude, you got blood coming out of your ears. What? I can't hear you! I got blood coming out of my ears! Well, what are we going to do? Get moving? Il ramène ses chaussures. People, this is Emma Jaunt. Wait, really? Of course, you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. Ay, what is that? Careful. Easy. Hey, hey. Ah, le doublage est vraiment pas dégueu, d'où je suis d'accord. I got a pulse. We gotta move her. Get this off me. Let's go. Teamwork. Michael, help. Oui, bah, s'il te plaît, aide, ouais. And lift. It's too heavy. They're getting closer. We need to go. Seriously? You're giving up already? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Oh, so what I see. You? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. Yeah, see you later. I'll call the army, send help! Ça, cassez-vous. Hey, are you Emma Jaunt? Bon, puis Ronnie, écoute-moi la masse. Man. Another survivor. Hey, over here, dude. Hello. Bien entendu, ce n'est pas un petit survivant, hein. On s'y attendait. They do die. Ah, shit. Alors on va avoir des petites QTE hein, comme dans le 1. Et on a la possibilité de leur écraser le crâne. Si on les fait tomber, qui sont au moins à mi-life. Contrairement au 1 où pour le coup pas encore esquiver, c'est un petit peu chiant. Bah parfait, tiens, pose de soin. Quelqu'un d'autre? Shit, there's more.
un petit fer à béton. Ah bah tiens. Hop là. They just keep coming. Gotta think of something. On peut mourir. Allez. Ah merde. Une autre arme. Quoi, reste par terre, s'il te plaît. On a la possibilité de lancer nos armes. Ce qui est fort sympathique. Ah bah oui hein. Allez, elle est mi-life. Non, elle est pas mi-life. Bim. Donc le mutilé, on peut le faire avec différentes parties du corps. En gros, quand on mutile, ça change les compétences du mec. Donc par exemple, si on arrache les jambes ou les bras, genre de trucs. Et quand on leur pète la tête, bah ça compte comme une mutilation. Parce que pourquoi pas. Back on the road soon, Carla. You got this. Hey. Shit, man! Oh god. How the fuck did this happen? It's not meant to be like this. It's okay. I got you. Here. Hey, can you hear me? You're all right. I'm gonna give you some water, okay? Classique. Madre! Ah non, finalement, c'était pas les mêmes chaussures. Fucking asshole! What'd you do that for? Alors il y a une nouvelle technologie dans le jeu qui consiste à générer du sang dynamiquement avec selon les effets de particules. Alpine Drive. Et ça donne des scènes assez fun. Et bah, peut-être une transformation, hein, d'où. Vamos, Carla. Alors, si jamais vous voulez acheter le jeu, vous pouvez l'acheter avec notre lien partenaire. Je vais l'envoyer dans le chat. Comme ça, ça participe à aider la chaîne. Et si jamais vous avez déjà le jeu, vous pouvez activer les Twitch Drops. Et il y a moyen de débloquer notamment un fusil à pompe spécial en regardant au moins 20 minutes de stream. Alors, notre objectif, atteindre Anna. Et ah, c'est pas gagné quand même. Hein. Donc on a une carte avec des trucs interactifs qu'il va falloir découvrir. Et comme passer par la route n'est pas une option,
Esalus Moisis, bienvenue sur le live, j'espère que ça va. 70 Alpine Drive. So, if I head through here, I'll come out next to Emma John's place. Ok. Du courant. Need a breaker. Alors, il va falloir qu'on trouve des disjoncteurs. Let's try this. Personne. Non. Ugh, not climbing that. Gonna find another way. Circuit breaker. Alors, comme je le disais au début de live, il y a un petit système de craft dans le jeu, hein. Donc on va pouvoir ramasser tout un tas de petits trucs qui vont nous aider. Attention derrière moi, ça va, pour l'instant c'est encore le tuto, ça reste gentil. Encore qu'il y a des clowns flippants. This should work. Ah, une clé anglaise, cool. Good for hitting stuff. Donc on va trouver de temps en temps de la bouffe, mais on peut la prendre que quand on n'est pas full life. Sachant qu'on a une régénération de vie pour tous les persos au fil du temps, donc si on combat pas on régénère notre vie. Du coup la bouffe est utile mais pas forcément tant. Par contre quand on bouffe des trucs énergétiques, on a la possibilité de charger un genre d'ultime, enfin une espèce de... ils appellent ça la furie sanguinaire. Oh oui, les yeux. Où est l'autre? Ok, il est là. Donc comme vous avez pu le voir, on peut bloquer les coups, et si on les bloque au bon moment, on a une petite QTE pour faire des gros dégâts. Merde, j'ai pété mon arme. T'es pas mort toi? Ah bah maintenant si. Et toi? C'est bon. Bon bah la clé anglaise. On a quoi? On a toujours notre gros marteau. On va continuer à péter les armes faibles hein, au début, tant qu'à faire. Tous ces gens ils se relèvent pas. Ah si. Reste par terre. Merde, il s'est relevé. Tombe. Je te pète les genoux? Comment ça se passe? Bon, ça a l'air d'être calme. Locked. Gotta be another way in. Yo? Hello? What a mess. Il y a comme un bruit. Ah, c'est parce qu'il y a le ventilo qui tourne. Not this way. Oh my. Anyone in there? Bon, petit gameplay hein, c'est fermé, faut trouver le panneau. Ça tombe bien juste à côté. Ah, merde. C'est pas bon ça. Allez. Costaud, lui. Quand même. Il est pas par terre là, je peux pas le mutiler. Ok, ça c'est fait. Nothing personal, dude. Key card. Alors il nous reste quoi? La machette d'épave cassée, qui compte pas. Le marteau d'épave qui est quasiment cassé et une clé à molette qui est presque en état. C'est un petit peu la merde. Allez, on mange jusqu'à ce qu'on soit full life. On fouille. J'ai vu un truc là.
Il y a quelque chose derrière, des attaches. Un coffre-fort caché. Barre-toi. Ah! Ouvre-toi. Barre-toi à chaise. Ok, la thune. Oh, you guys had a bad time, huh? Ah, c'est sûr que si c'était enfermé là pour se faire une petite soirée tranquille en attendant les secours, c'est raté. Ah, on a une petite scène coupée. Oh, le monsieur, il avait les serveurs de sa maison dans sa... Okay, visiblement, il a joué de la guitare jusqu'à la mort. Saloperie. Tiens, ça fait plaisir ça, hein. Fais-moi le malin, hein. Espèce de coureur. Tiens, mange. Aïe, merde. C'est sûr, c'est moins efficace. Oh putain. Cette bête. Il me restait une arme. Ouais, ça. Bon, c'est un petit peu moins DPS, mais au moins ça tape vite. T'es mort, ça y est? Ok, parfait. Bon, on va se faire le dernier. Ça fera de l'XP. Voilà. Les défis actifs. Zombies dans l'espace. Oh oui, 25 zombies dans l'espace. D'accord. Why not? Ah, ça s'est ouvert ici. Peut-être quelques armes en renfort parce que c'est un petit peu la merde là. De l'argent, c'est génial. Content avec de l'argent, mais. Ok, on va devoir faire avec notre clé à molette. Et ben, vas-y. Ça passe toujours fermé là-bas. Emma's place should be out back. Allez, alors là, il y a un petit gameplay supplémentaire. Oh, big sword. Une sympathique petite vitrine, mais il y a une alarme. Voilà. Donc, si on déclenche l'alarme, bah c'est la merde, bien sûr. Coucou toi. Il y en a un autre, je me tombe plein, putain, ils sont combien? On a plus de vie. Ok, d'accord, ça les attire, genre vraiment en masse quoi. Pourquoi j'ai pas pété l'alarme avant? Eh ben uniquement pour vous montrer en fait, ma tours. Je plaide totalement coupable. C'est juste pour montrer le gameplay. Mais effectivement, c'est bien plus intelligent de péter l'alarme avant, on est d'accord. Reste par terre, reste par terre. Tombe. Ok, l'autre, elle était morte ou elle s'est relevée? Non, elle s'est relevée. Saloperie. Tombe. 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 Ok. Ça c'est fait. Next. Oh, ils sont tellement classe les zombies. Faut avouer. Non, si vous arrivez à faire tomber leur jauge bleue, en fait, ils tombent au sol. En gros, c'est comme ça que ça se joue, quoi. Bon, et du coup, on a la possibilité de récupérer ça. Ce qui est quand même un peu mieux. Alors, on va se débarrasser des trucs de merde, genre ça. Ça, on va mettre ça en premier, ça en deuxième. Voilà. Notre petite clé à molette.
Merde, j'ai récupéré le bois brûlé par erreur. Tac. La machette, même si on la répare, c'est que 32 dégâts. Allez, on va garder que les trucs en état. Puis on utilisera la méthode des coups de poing, coups de pied, hein. En cas de besoin, c'est pas du tout ton style de jeu, Moïsis. Bah, j'avoue que moi j'ai fait le 1, alors du coup il y a très longtemps, hein. Je m'étais bien amusé, et après on avait fait Dying Light avec Katox, on s'était bien amusé. Du coup, j'avais envie de le réessayer. Et donc, grâce à Deep Silver, on a cette possibilité, et ça fait bien plaisir quand même. Ok, une porte qui s'ouvre de l'autre côté, pas de chance. Ça reste un FPS où il faut fouiller un peu partout, hein. Ok, bon, niveau kit de soins, on est plutôt couvert, c'est cool. Emma Johns should be on the left. Alors on a la petite symbole de quête, hein, mais comme d'hab, on va essayer de pas suivre la quête. Ok, il faut une arme pour péter ça. I'll take disaster supplies. Une machette. Bah oui, carrément, je prends. Hein. On tombe que sur des portes qui s'ouvrent de l'autre côté, comme par hasard. Alors, si on passe par là, on n'a plus de symbole de quête là, donc c'est peut-être un passage alternatif ici. Contaminés, mouillés. Alors, s'ils sont mouillés, est-ce qu'on peut leur balancer un truc? Genre pour leur électrocuter la tronche. J'ai pas l'impression. Hein. Enfin, j'ai pas encore l'équipement pour, on va dire. Don't feel good. Ouais, ouais, on y travaille, on y travaille. Ok, on a contourné la piscine. Elle a levé la main, c'est qu'elle se prépare un combat. Serveur déconnecté. Putain, j'ai cru que c'était un zombie dans le coin, mais non, c'est une statue moche. Allez là, il est mi-life là. Merci. Oh, right. Quoi, une saloperie qui sort de sous la table? Ah non là. Bon, j'espérais trouver quelques armes, mais si c'est pour utiliser nos maigres ressources, hein, on va avancer. N'est-ce pas? Ah, need a code. Ah. Oupa.
Alors, on a une petite note. J'ai réparé votre portail, il ferme à nouveau. Il ne devrait plus y avoir de danger. J'ai dû mettre un nouveau code, j'ai laissé sur un bout de papier dans la cuisine. S'il y a autre chose, je suis à côté. Prenez soin de vous. Quatelier. Ah d'accord, ok. Une sous-quête de la quête principale, très bien. Bon, on va retrouver dans la cuisine, mais avant j'aimerais bien voir par là. Ah non, la cuisine c'est là, merde. C'était pas la pièce où j'étais tout à l'heure. Il nous faut un disjoncteur. Est-ce qu'on peut retourner chercher l'autre disjoncteur qu'on avait tout à l'heure? Parce qu'on est derrière là. Quelque chose me dit que ça va pas être aussi simple. Il n'y en a pas d'autre hein. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'on peut enlever le disjoncteur? Déjà, est-ce qu'il n'y a pas trop de saloperies? Ça va. Non, on peut pas l'enlever. Diantre. D'aucuns diraient qu'on l'a dans l'os, pour parler poliment. Ah mais c'est un fusible qu'il faut, pas un disjoncteur. Bon bah du coup allons-y hein. Ah salut toi. Let's see what I can find. Tiens, j'aime pas ta tête. Tombe par terre, voilà. Je voulais essayer de sortir des points pour lui taper dessus, mais en fait les raccourcis ne marchent pas. Pour sortir des points si on n'a pas d'armes cassées dessus, visiblement. Nope. Ah mais si, voilà, c'était bien ça la cuisine, on est d'accord. This ain't it. Where's this code? There we go. Ok, on a le code. Ok, mais alors je sais pas ce qu'on devait foutre avec le fusible, peut-être un truc bonus. Allez, mange. Et mange. Merde, un autre. Toi, t'es par terre maintenant. Ah merde, ok, j'ai vraiment cru. Ah! Et t'es pas mort lui? T'es qui toi? Crève! Bordel! Tout ça pour un fusible. Bon, il loot des trousses de soins, c'est quand même pas mal. Ah bah voilà, des queues de billard, que demander de plus? On voit bien sur la map qu'il y a un petit symbole fusible là, mais c'est juste en dessous, mais comment on l'ouvre? Ça a l'air d'être le genre à garder des fusibles dans son arrière boutique quoi. Bah tant pis, avançons hein, c'est peut-être scripté hein, peut-être qu'on aura... Ah tiens, vous avez un bonus. Comment on a la map? Carte. Ok, on est ici, et effectivement la maison qu'on cherchait à atteindre c'est celle-là, parce que l'entrée est là, donc on arrive par derrière. Ok, très bien. C'est la merde. Out there. Darla,
from the crash. Le mec. Oh, okay. C'est la merde, ils ont toujours un super interphone et tout, une maison automatique. Menos mal. J'adore quoi. My head is gonna explode. Ferme la porte. Ouais, voilà, bonne idée. It's probably fine. Just need a whole lot of sleep. Get in. It's crazy everywhere. It's a miracle you didn't get bit. Ew, is that? What? Ew. This is actually very cool and badass. Oh, it's too cool. Get away from this house. You free. What are you doing? Pas la peine de prendre l'arme pour me braquer aussi. You have been bitten. You will turn, eat us, I know. I've seen it now. Get away! Freya! They were at the crash. I invited them. Just give me the... No! I will not have this devil in my house! Your house! You may have snuck your whole family in the moment I was gone, but this is still my home! You abandoned me! Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... gun! Take it, lady. I'm going to sleep now. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means they will turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. Are they turning? Oh, I'm gonna be sick. Shoot them! ça sent la merde. Ah bah ils nous ont pas tués on dirait. Ok, c'est une solution. Say something. No bullets in me. And Michael fainted and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. Yo, help me out here. I feel great. Regular old Carla. You do seem better. And the bite's healing, too. But you're staying locked up. Fever's gone. That proves it proves nothing, okay? I mean, people are eating each other out there, and no one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Hey, I'm vegetarian. I'm not eating nobody. Like, just looking at a pork chop makes me gag. Nice try. But trusting people never worked out too well for me. Emma! Can I ever get 2 minutes away from him? They're surrounding the house! They're trying to get in! Seriously! Ah. Let me out! I can Shit. Help! Okay, they're toy cuts. Just press the button! Come on! Get it, girl? Sérieux, quoi. Alors, ok. On a des compétences. Les compétences sont des mouvements et des bonus de combat. Pour utiliser une carte de compétences, vous devez vous en équiper en la plaçant dans un emplacement de compétences. Ces emplacements ont 4 paliers possibles, on les déverrouille en progressant dans le jeu. Très bien. Le premier palier, celui des aptitudes, englobe vos mouvements de combat les plus courants et les plus fiables. Ils s'équipent automatiquement à mesure que vous les déverrouillez. Regardez, vous avez déjà déverrouillé votre première aptitude. Vous pouvez en changer à tout moment si vous en trouvez une nouvelle qui vous correspond mieux. Et on a déverrouillé un nouvel emplacement. Les compétences de survivant, vous aident à rester en vie plus longtemps. Les compétences de tueur vous aident à exterminer les zombies. Et les compétences de numen, eh ben vous verrez. Sélectionnez un emplacement de compétences, vous montre toutes les cartes dont vous pouvez vous équiper. D'accord, très bien. En progressant, vous apprendrez de nouvelles manières d'éclater les zombies, trouvez, déverrouillez et équipez-vous de nouvelles compétences pour peaufiner votre style de jeu. Ok, donc on a sécuritaire. Bloquer ou esquiver au bon moment rend de la santé, très bien. Et là... Bloquer d'affilée donne un bonus modéré de résistance et de force. Ok, bon, la première m'a l'air bien. Et merci Matours, merci d'être passé et bonne soirée à toi. Ciao ciao. Et là, on a... que blocage. En même temps, déséquiper le blocage, ça me paraît risqué. Et ça, faut pas l'équiper, c'est les compétences innées. Ok, très bien. Oui, bah, nouvelle carte, on est d'accord, on l'a vu. Mais non, on veut l'autre, nous. Oh, celle-là, voilà. Alors, est-ce qu'on a des armes? Est-ce qu'on a gardé nos armes? Comment ça se passe?
On pille un peu hein, parce qu'on n'est pas là pour glander, bien sûr. Les trucs à ramasser, ça ressemble vraiment à des armes, mais en fait, c'en est pas. Oui, on a gardé des armes. Ok, c'est juste qu'on peut pas les équiper pour l'instant. Il va falloir sortir. They're getting closer. What do we do? Let me at them. Are you sure? Take the gun. Keep it. I'm getting up close and personal. Oh my God! Open it! Hey, wait! Move aside. Wish me luck. Ok, elle est morte déjà. Alors, espace et piège joint. Ok, ça c'est bon. Qu'il y avait. Ok, I see the problem. We gotta close that gate. Oh oh mec, lâche-moi. T'es relevé toi? T'as encore une mâchoire? Et ben plus maintenant. Alors, le portail. Bien sûr. Évidemment. No breaker. But these rich people gotta have spares. Just checking. Should stay locked for now. D'accord, c'est pas par là. C'est verrouillé ici. But these rich people gotta have spares. Ouais, j'y travaille, j'y travaille. Passe par terre. Ah putain, ils sont morts. T'es mort toi? Ok, très bien. Toi aussi. Le feu blesse tout le monde, humain comme zombie. On peut éteindre avec de l'eau. Ah cool. Sympa ça. You don't need to be on. Ah, je peux pas faire de glissade visiblement quand c'est comme ça. Eh bien ma petite. C'est pas facile de bien caler les moves hein. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme arme? Ça c'est cassé, on va reprendre. On a des queues de billard, bah voilà. Que demander de plus? Petite boisson. Est-ce qu'ils sont tous morts? Shut the door! Madre mia! Is it safe? Are the devils gone?
Yeah, they're gone for good. Where are the others? They're downstairs in the games room, hiding. Et ça, c'est qui? Il est pas du tout en train de se cacher dans la salle de jeu. We're good. No zombies left to jump scare us through the window. Qui t'es, toi? Remarkable, just remarkable. I've been theorizing a number of potential outcomes for your situation, 26 in total to be exact. However, none concluded with you being, well, alive. This is most fascinating. I never give a shit about odds. You just gotta believe you can do it. Right, excuse me. I need to write up a full report of the events. D'accord, très bien. C'est qui tous ces gens là? Dancing with these devils is a dangerous game. It only takes one little mistake. T'es, tu saignes plus les oreilles, toi? C'est pas un escalier, ça? Ah non, c'est là. En avant, descendons. That was incredible! You guys should have seen me! Thank you for going out there. God, this is beyond insane. I mean, I don't know how to do this. I'm not supposed to die here. At least you'll die with me, Emma. Oh, fantastic. No, no, what I mean to say is you're not dying. Not with me around. Now, since the health of our possibly undead friend here is... We can't verify that, okay? Since your health is in question, we need a lead, person here. A lead protector. And Emma, I will be your protector. I just won't get in. You got no shot on this eight ball. Lose the cue. Yeah, okay. Don't touch her! Sam! You hear that eight ball line? I saw the cue and nailed it. You're shocked, I get it. I couldn't exactly call ahead. No. Or call any time in the past 15 years since you popped out to the store. I think we should talk about this later. I'm here to get you out please, of LA. Emma is a huge star. Her fans are probably crowdfunding for her rescue right now. Yes, again. City's locked tight. Being famous don't count for shit. Lucky for you, I've been through this before. Nobody's been through this before. Guess again. This zombie shit happened twice already. All got covered up. But I survived. You wanna know how? I'm immune. Big deal. So are they. Say what? This motherfucker. This motherfucker. So, you're not special and we're doing fine. Thanks. I'm immune? You still need me. I killed more zombies than you got shoes. So what exactly is your plan for getting us out of here? I'm still working out the details. We don't need him. And you know you do. I'm immune! Fine, you can stay. Everyone else has moved in, so why not you? I'll show you where you're sleeping. This way. What does he mean being famous doesn't count for shit? How ridiculous! Ça fait trop longtemps que j'ai joué, je me souviens plus si effectivement il était dans le 1 ou dans le repeat de celui-là, mais peut-être. I need to talk to our zombie expert. This is Emma Jaunt we're talking about here. Alors, on a plein de trucs qui crient dans tous les sens. Alors, on a débloqué le coup de pied sauté, très bien. Et là, bah du coup on peut mettre la deuxième carte, très bien, pourquoi pas. Wonderful! Ok, très bien. Je sais pas si on peut conduire dans cet opus là. Alors, allez discuter avec Sam. Eh ben, faisons ça. Visiblement, ils sont montés. Bah. Sam, we're both immune. We gotta spread the word.
Sure, if you want to get dissected. Come on, we'll be VIPs. RIPs. Emma's got 6 months of food in the basement. We can wait it out here. I ain't just sitting around with you guys. I'm getting out of this city. You're immune. You ain't bite-proof. I know how to take care of myself. You don't know shit. Out there, you gotta be a mechanic, medic. Jackie fucking Chan rolled into one. Got mechanic covered. On perd un petit peu d'insultes à la traduction. Alright, it's your ass. Hey, if you're going out there, you're gonna need some special sauce. Grab that machete. Okay, this is how you give it some spice. You'll need parts, though. Take some of this shit lying around here. You really walked into a zombie apocalypse just for Emma? Should never have left her. It was just... I was young. Alors, il faut qu'on ramasse des trucs. Très bien, ramasse des trucs. Alright. Use the workbench and let's get cooking. Alors, notre nouveau meilleur ami. Seules les armes de qualité inhabituelle, rare ou supérieure peuvent être personnalisées. Personnalisez vos armes en ajoutant des modifications et des avantages. Chaque arme éligible à des emplacements pour une seule modification et un ou plusieurs avantages. Alors, on augmente la puissance de 88 à 101 en mettant de l'électricité. Les modifications améliorent les armes pour ajouter des dégâts et des effets d'état. Certaines modifient également le type de dégâts infligés. Par exemple, cette modification électrocuteur convertit l'arme pour infliger des dégâts électriques. Bah, maintenant entrer alors, puisqu'on nous propose si gentiment de le faire. Pour fabriquer une modification en avantage, vous devez avoir le plan correspondant. Vous en avez un pour l'instant, celui de la modification électrocuteur que vous venez de fabriquer. Il peut être appliqué à autant d'armes que vous voulez tant que vous avez les pièces nécessaires. Jetons un œil aux avantages. Les avantages apportent diverses améliorations. Certains ont des effets négatifs et positifs, alors pesez bien le pour et le contre. Il vous faut des pièces trouvées dans LA pour fabriquer les modifications, avantages et autres éléments utiles. S'il vous en manque, récupérez celles d'armes ou de modifications et avantages dont vous ne voulez plus. Et là, ça fait quoi ça? Augmente les dégâts mais réduit la durabilité. D'accord. Bah, allons-y. Vous trouverez les plans en explorant LA et en terminant des quêtes. Certains marchands peuvent même en vendre. Vous pouvez aussi en gagner en accomplissant des défis. Fantastique! Et salut Xebus, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Donc du coup on a maintenant une machette électrique. Et c'est la seule arme que on peut fabriquer, enfin qu'on peut améliorer, parce que même notre super sabre là, il est pas rare. Alors on peut par contre peut-être recycler les trucs qui nous servent à rien. Alors, F1 égalé niveau, qu'est-ce que ça fait ça? Égalé niveau, je ne sais pas. On va pas réparer ça, on veut récupérer. Hop, est-ce que je peux faire des améliorations? Ok, là il a une puissance d'impact de fixé, très bien. On va recycler les billards. Tube en acier, tube en acier. Nice. You hit a zombie with that, the motherfucker's gonna stay here. 43 plans découverts, 36 plans découverts, et il y a des consommables qu'on n'a pas découverts. Hey, if you're really going out there, I got some stuff you need. Alors déjà. Et salut Canton, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Take some of this meat as bait. It's just meat. But the zombies go for it. Saved my life getting here. I got some meds you can have too. Just maybe next time, you give me something in return, huh? De la chair pourrie et gluante qui agit comme de l'herbe à chat pour les zombies. Utilisez-la pour les attirer ou les distraire pendant que vous fuyez. Super, ça donne envie. Et il a un plan trousse de soins. Cool.
Donc ils vendent des pièces, ils vendent des armes, un matraque de police verte qu'on pourrait améliorer, une hache. Ah, un fusible. 1500 balles le fusible et on a 1600. Purée, et ça pique le fion. 250 la trousse de soins et il nous en achète ça 100. Bon, dans le doute on va en prendre un, de toute façon je compte pas faire grand chose d'autre avec mon argent pour l'instant. Alors les objets à lancer, comment on lance des objets? Déclencheur de contact, attire les zombies, ouais c'est une fiole avec des trucs dégueulasses dedans. Et merci Dou d'être passé. A bientôt. Qu'il soit dit, les fions sont piqués. Bah là, ouais. Y'a moyen. Ok, c'est ça, c'est notre casier, très bien. Wonderful. Alors, faites savoir à Emma que vous sortez. Elle est où Emma? À l'étage, visiblement. Ça va, tranquille. Il y en a qui sont plus malheureux que d'autres. Hein. Comment lancer des objets avec la main? Mais exactement. Alors, on a trouvé la tonification. Qu'est-ce que ça fait de beau? Porter un contre rend la santé. Mais c'est pas du tout les compétences qu'on avait là. Ah non, je peux en. D'accord. On est deux nouvelles en fait. Utiliser une trousse de soins déclenche une forte explosion. Bah voilà, ça c'est cool ça, on se rend ça. Allez hop, on te pique ta thune, hein, tu m'en veux pas. Après tout, on va essayer de te sauver la vie. Oh bah. Donnez-moi ça. Des petites lames. Note d'Emma. Ah, on a des petits textes. Robert vient de me dire qu'on doit partir sur le champ, il a un créneau, je n'ai même pas le temps de me changer, je veux juste dire que je suis désolé, vous avez tellement fait pour moi, j'espère que vous en sortirez. Ok, c'est le petit message à Andrea et finalement elle est revenue. Hein, parce que malheureusement son avion a été missilé en vol. We're shipwrecked. Am I going to end up in some dead fan's stomach? You won't let that happen, will you? Not with me around. Look, if I'm immune, I gotta tell the authorities. Fan doesn't trust them. I can't stay here forever. No offense, it's pretty nice. We all want to leave. You wouldn't believe what we had to pay to get on that plane. We're stuck here. Yeah, with that attitude. You can't just jump in a car and go. The roads are all blocked. I saw videos of cars getting swarmed. You might as well put wheels on a coffin. Fucking rad idea! There's millions of those things out there, just waiting to sink their teeth into us. Des millions. Face it, we'd need a helicopter to get out, and everyone who has one is already fucked off in it. Come on, this is loser talk. Where's the evacuation center around here? We were supposed to report to the helper in hotel. If Robert hadn't made other arrangements. You still pissed at the guy? Our marriage was just PR, okay? I get it, girl. I'm gonna find this helper in hotel. Thanks. On serait bien avec un petit sniper là pour buter les zombies en face là. Don't forget your friends if you do find a way out. Ouais, là c'est bien scénarisé, Xebus. Et on est dans une zone sans zombies, donc. Ça doit être sympa, un cercueil ambulant. Ouais, hein, on pourrait trafiquer un corbillard pour le blinder. Don't worry, all the doors are locked. Nothing's getting in. Parfait. On peut aller faire un tour à la piscine.
I'm heading to the Halperin Hotel. See if the army's still there. Yes, good. Good, exactly what I was going to tell you to do. Mm-hmm. All part of my survival plan. You'll need keys to get out here. Just tell them Emma Jaunt and her staff need to be evacuated immediately. Okay? You got it, bud. Je sais pas pourquoi ça ressemble à une idée de merde de dire que on est immunisé, mais. Alors, vous avez débloqué le jeu en coop. Pour l'instant, on va jouer en solo. Il faut les clés du paysagiste. Les boîtes de sécurité de sûreté sont des caches. Il vous faudra la clé. Les clés se trouvent sur des zombies identifiés que vous rencontrerez en ville. D'accord, donc si on trouve un zombie paysagiste, on peut ouvrir cette boîte. Parfait. Ah, ça c'est de l'arme comme on les aime là. Une bonne petite machette électrique. Sinon on a quoi ? Un tube, une machette pas électrique et notre sabre. On va y aller avec les armes de base pour commencer. Hein. Ça m'a l'air calme. Alors, avant, vu qu'il me l'a pas dit, je vais jeter un œil aux options de contrôle pour savoir comment on lance des trucs. Ça doit être avec le... Interagir, repousser, nanana, arme suivante, trou des armes, arme numéro 1... Objet à lancer, c'est A, d'accord. Je m'attendais au clic molette, mais non, c'est A. Bah, parfait. On dit avec A. Ok, ça fait pas de dégâts, ça permet juste de les mettre par terre du coup. C'est vrai ou m'a filé un coup de boule cet enfoiré? Voilà, mutilé. Ça va, c'est assez mort pour toi, Xebus? Infusible. Je peux placer un fusible, allons-y, faisons ça. Ça fait quoi? Ça ouvre cette porte. Ah merde. Reste par terre. Ah putain, mais ils sont combien? Allez! Ah putain, il est déjà en train de se relever. Attends, mais... Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il est plein de... De je ne sais quoi, de pétrole. Ah, ça sent les petites interactions, genre on fout le feu à toute la planète là. Stock de provisions anti-zombies. Ouh. Mais oui. Ça va, mais que ça change pas. Écoute, on va faire ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut neutraliser ça avec de l'eau? Dit hein. Peut-être si jamais il y a le feu on peut éteindre l'eau avec de l'eau, ça on a vu tout à l'heure, mais pour l'instant j'ai rien pour faire du feu. Evacuation center this way. Gotta be the Halperin Hotel. Non, on est d'accord qu'il n'y a rien. Alors ça fera un épisode un peu long pour la VOD, mais je pense que je vais faire les lives en une fois pour pas trop couper l'action. Après tout, une fois n'est pas coutume, il y a des choses à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Putain, mais en plus il y a des tremblements de terre quoi, c'est vraiment la merde. Hein. Ah! On peut casser ça? Non, on peut pas casser ça. Forcément, il faut qu'on se tape une alarme quoi. Ok, l'alarme s'est arrêtée. Alors est-ce qu'il marche jusqu'à moi? Tiens, mange. Allez, viens. Viens vers moi, c'est bien.
Merde, il a laissé un loot ce con. La loose. Obligé de perdre de la vie quoi. Ça, ça se casse. On dirait pas. Ok. Vas-y, attaque-moi. Voilà. Bim. Et bim. Allez, tombe. Vite, avant que l'autre arrive. Pas de coup de boule, on a dit. Les graphismes se sont améliorés par rapport au 1, on va pas mentir. Hein. Ah merde. Silence! Silence! Lose! Lose! Venez là! Ah, on peut prendre la batterie. Combiner les batteries avec de l'eau pour concevoir des pièges. C'est déjà électrocuté là en fait. Genre là ils ont envie de venir. Ah, ça se recharge le truc, d'accord, je pensais que j'en avais qu'un seul mais en fait ça va. Bah t'es passé toi. D'accord. Très bien, je vois. On se moque de moi. Hein, tout de suite on a des rastas, boum, ça va y est, on marche sur l'électricité. Écoute, le barbecue de zombie m'a pas l'air exceptionnellement coutu vu d'ici. Hmm. Alors comment je fais pour passer moi? Ah, je peux couper un truc ici, valve de tuyau. Super, mais faut que ça sèche encore. Aïe. Je perds ma petite batterie. Ouais, il y en a une autre là. Ok, ça a pas l'air d'être si rare. Ok, je l'ai un peu raté. Et là, hop. Coucou. Tombe par terre, allez. Bim. Voilà, ça c'est fait. Une épée. Eh ben, j'ai envie de dire. Hello? Are you still out there? Hey, can you hear me? Is this working? Can anybody hear me? Hello? Appuyez sur J. Les quêtes secondaires. Comment marchent les quêtes secondaires? Les quêtes. La fête est finie. Un des voisins est coincé dans la maison de Bel Air et demande à quiconque encore envie de venir l'aider. Vu que vous êtes dans le coin, vous pourrez peut-être l'aider. Ok, c'est l'interphone qui parle. Hey, I'm here. Don't have a heart attack. Ah, good. Finally, some life out there. You're not much to look at, but I'll take a chance on you. Hey, oh. You seen another kid out there? Another kid? No. Damn. Must have thought I was shooting at her and got spooked. Listen, if I get the gate, can you search the front? You find that girl, you bring her around back, and we'll straighten this thing out. Just watch out for the other trespassers. They might. Hey, get out of there, you scourge of a Satan! Can't leave them to fend for themselves. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Wow, merde! Crap. Gotta deliver the bad news. Ah.
putain. Oh. C'est dégueulasse. Oh la vache, le truc avec les yeux qui pendouillent et tout quoi. Alors si effectivement c'était celle-là qui voulait sauver, c'est raté. Fuck. Raté. À l'ancienne, hein. On peut pas jeter l'arme cassée, non. On peut pas jeter l'arme cassée. Alors qu'est-ce qu'on a? Un tube d'échafaudage. Allons-y. Que demander de plus qu'un tube d'échafaudage pour remplacer notre tuyau? Il est où? Il est là. On va passer. Ah, je peux peut-être casser ça. Ah, ok, il passe en dessous. Parfait. Les clés du garage. Ah, on a un établi, fantastique. Avantage renfort, un râteau inhabituel. S'il vous plaît. Tube en acier, des attaches, une étoffe. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants? Donc déjà ça, on récupère. Ça aussi, on commence à avoir suffisamment d'armes potables, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette clé? Rien avec ça. Et là, on a trouvé... Réduit la vitesse d'attaque. Renfort, ok. Et ça, on peut pas parce qu'on n'a pas assez de composants électroniques. Ok, très bien. Et le râteau, qu'est-ce qu'on peut faire sur le râteau? On peut le transformer en râteau électrocuteur. Mais oui. Il est tellement coui. Oh, il est trop classe. On peut réduire la vitesse d'attaque. Alors, quelque chose me dit que déjà qu'il est pas très très rapide. Ça fait quoi suivre? Ne plus suivre. Ok, ça va être pour classer quand on en a plein. Vitesse 1. Ouais, voilà. C'est pas... Mort toi, hein. Toi aussi. Si on peut fouiller les voitures, allons-y. Pas s'embêter. Et merci d'être passé, Smoisis, à bientôt. Passe une bonne fin de soirée. Ah bah voilà, un cercueil ambulant. C'est exactement ça qu'il nous faut là. On met des petits pics sur les enjoliveurs, on renforce ça avec des petites plaques métalliques et on est parti comme dans Project Zomboid. Alors, si on va par là. Ah merde, on est de nouveau dans la rue. C'est pas le bon plan. Des gens qui crient. C'est agréable. Where was my invite? Ah putain, gars. Not you, kid. You find that girl. Sorry, grandpa. I got her. Son of a bitch. Well, I say it's about time we send these party crashers back to hell.
Allez. We can chew the fat after we're done with these punks. On va y aller avec notre petite machette électrique, ça devrait être calmé. Marche sur l'électricité, non, j'ai traité. Ah oui, c'est un peu plus efficace, hein, c'est sûr. Est-ce que c'est Curtis Sinclair, la légende? Mec, t'étais parti pour faire un concert là ou... Ça s'est mal fini, on dirait. Je sais pas si c'est Slano Damned qui va conduire, on va peut-être éviter les klaxons. Et en fait, on risque de probablement crever assez rapidement, coincé quelque part, donc. Je pense qu'à pied on est mieux en fait. Faut que je rentre. Comment je fais pour te parler, mec? Allô? Bien, bien, d'accord, d'accord, très bien, pas de soucis. Je continue d'explorer, moi, hein. On m'invite pas. Pas pourquoi je m'embêterais. Ah, là, il y a des clés, là. Tony, le petit malin. Tony le petit malin. Mode de vie des riches et célébrités. Ah d'accord, on a différents types de trucs à récupérer. Tony, t'es au bordel, au pavillon de la piscine, c'est là qu'ils ont mis les manteaux. Et pourquoi mon oncle aurait laissé son manteau à côté de la piscine? Il y a ceux de tous les invités, c'est une vraie mine d'or, une mine de portefeuille. Fais bien de concentrer un peu, c'est pour mon pognon qu'on est là. Les petits lèche-cul n'auront rien à côté de ce que le vieux planque. Son coffre-fort est juste là, mais il me faut la clé. J'ai essayé, mais il y a des domestiques partout. Il y en a une qui me quitte pas des yeux, tu crois que je l'impressionne? Ou alors elle a pigé que t'es pas avocate. Je t'avais bien dit de te saper pour avoir l'air. Eh, hey, j'ai des chaussures super chères, c'est des imitations. Mais non, vraiment? Laisse tomber, tu pourras attacher toutes tes pompes du monde quand on aura fini. Je vais aller discuter avec l'oncle Kurt pour occuper la nana, à toi de jouer. Ouh, t'as intérêt... Ah, c'était bien pénible, t'as intérêt à avoir réussi. J'ai piqué la clé, il était temps. Ramène-toi et on se tire de cette fête à la con. Putain, mais t'es où? Encore au pavillon, je m'offre deux ou trois cadeaux de départ. Ramène-toi et sors-moi de l... Quoi? C'est quoi cette histoire à la con, quoi? L'autre, elle boit des pots en plein apocalypse zombie et du coup, son complice se fait défoncer le cul. Pourquoi 1 sur 2? 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Changer précédent, échanger suivant. Quoi? Ah, parce que j'ai trouvé dans mon inventaire peut-être? C'est comme ça que ça marche? Ok, je maîtrise pas encore toutes les subtilités. Hein. On va dire. Voilà, mon râteau électrique. Oh la vache. C'est l'enfer ici. Oh la salle de bain quoi. Oui bonjour. J'ai vomi. Ah là y'a rien dedans. J'ai pas de reflet, non, j'ai une ombre. C'est pas mal déjà. C'est possible que j'ai baissé un petit peu les graphismes. Hein, et que normalement il y a un reflet, mais j'ai pas l'impression. Ok, merde, c'est dehors ça. On va pas y aller du coup. Et là, j'imagine que c'est pareil, ça va être dehors. T'es morte toi? T'es morte. Toi, j'ai une ombre, rien de comme je suis belle avec mon... Mon gros râteau! J'ai un gros râteau! Bon, il est marrant l'autre, mais hein? Faudrait me faire rentrer un moment.
sauter, c'est trop là. Là, il y a cette caisse qui me tente là. Ah putain! Ah la garce! Les clés du facteur, merde. Ok, ça m'a l'air d'être une idée de merde, mais il y avait des trucs ici. Okay, c'est bon, ça passe. Peut-être que la prochaine fois je me dirai, tiens, il faut que je me souvienne que je peux lancer des objets. Plutôt que charger dans le truc électrique. Ou alors on peut couper l'eau. Pas con. Bon, du coup je suis dehors. Bon mec, ça suffit les conneries à un moment ou pas? Tu m'as acheté les clés ou je les ai pas vues? Qu'est-ce qui se passe? Y'a un bug? Je fasse le tour. J'étais concentré sur les fouilles et les toilettes, j'ai pas écouté ce qu'il me disait et du coup je pense qu'il devait me dire un truc genre faites le tour ou je ne sais quoi et j'ai un petit peu raté. Ah, on a notre voiture. Visiblement, elle a déjà été utilisée. Merde. Le problème là. Ah, attends, les quêtes. Où sont les quêtes? C'est elle. Est-ce que cette légende. Ok, très bien, c'est génial, mais. F1 sur la carte, ok, très bien. Y'a rien d'autre quoi. Juste ce texte. Que je lui jette mon râteau dessus. Peut-être une idée de merde, non? Ah putain, ça y est. It's a damn shame about that girl, but I'm sure you did what you could. Curtis Sinclair's the name. Did a bit of acting in my time. T'es bon, on est sauvé, Canton. Ask your mother. Allez, se mettre pile poil au bon endroit et lever la tête. Pleasure to meet you in these dark times. No way. Yeah, I've seen your movies. Papa watched them all the time. Listen, I need help. Years of doing my own stunts means, well, the old hip won't survive this drop. I need to get my chairlift to get down, but the power in the house is gone kaput. No sweat. I'll get you out of this. What do you need? Check the connections down at the end of the yard. See if the problem's there. Now, if you can get things running, I can buzz you inside. Godspeed, kid. Parfait. On va sauver Pépé. Alors, vu qu'on vient de couper tout le courant, je sais pas si c'est une bonne idée, mais. Je suis passé à côté de cette porte et je l'ai raté. Ah putain, sa mère! Saloperie, saloperie, saloperie. Ah, il m'a fait peur. Oh yeah, no power. That's a common problem. Essayez d'envisager les tuyaux. Ah d'accord, pas con. Alors, effectivement, on va prendre une arme peut-être un peu moins. Genre, je peux me dire, allez hop. Et là, j'ai fermé le courant. Ça c'est classe. Ça c'est du gameplay qui va être fun. Kid, you did it. Hey, get your keister in here. We're not out of the woods yet.
Ah bah merci, je vois ça. Raté. Tu comptes m'aider ou pas? Ok, visiblement mes armes de départ commencent à être un petit peu outdated. Ah oui, c'est vrai que quand j'utilise un kit de soins, ça perturbe les zombies, tiens, j'avais oublié. T'es pas assez perdu de vie, t'es sérieuse? Allez, tue-le. On chope l'autre. En fait, les armes tranchantes attaquent pas du tout la zone bleue. C'est bon à savoir. Je vais garder mon gros râteau. Faut pas que je marche dans l'eau après, certes. Tiens, mange. Ah merde. Échec. Il reste par terre. Ah mais ils sont combien? Je préfère les armes contondantes, je crois. Il me reste une arme contondante. Bon, il me reste ce truc là. Oh, tu vas cogner, oui. Je pensais que j'avais plus d'allonge. Zut. Pas très efficace. Ça marche si je fais ça? Ah yes, ça fonctionne. Cool. On peut électrocuter avec nos propres armes. Ça marche un petit court instant en plus, ce qui fait qu'on peut même le récupérer après. Tiens, mange. Ouf. Ça fait du gros dégât ce petit tuyau là. Et salut Falseag, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Tiens. Pas tomber. Faut que je te finisse vraiment à la main, sérieux. Non mais allez. Il voulait pas se mettre au sol. Wow. Word to the wise, kid. If you're gonna fight these things with grenades, don't do it in your own home. Well, luckily, the lift rail looks dirty. Power it up, and I'll take my chances. My ears are playing tricks on me, or trouble's on its way. I'm gonna need you to clear the runway. Ça va bien, Falseag. Ah merde, ils sont de l'autre côté. Party's long. Show these dopes to the door. Putain, ils sont nombreux. Et là, on se fait... Bim! Un de moins. Bientôt cassé. C'est qui ça? If it isn't my snot-nosed spoiled brat of a nephew. Threw my favorite maid to the zombies to save his own hide. Ah putain, il en reste d'autres. Tant pis. Ok, c'est de la zone sans zombies ici. On va profiter, on va piller un peu. Hein. Normalement, l'avantage de ce perso, c'est qu'on a une régénération de vie potable. On n'est pas obligé de spawner les trucs de soins, en tout cas tant qu'on n'est pas en combat.
l'argent. L'argent, on loot automatiquement. Ça y est, t'es arrivé. Prenez des nouvelles de Curtis. Ok, il est parti par là. Coucou mec. Someone up there must really like me if they sent you to save me, huh? Not sure what I did to deserve it though. Papa's definitely watching up there. And wishing I'd asked you to sign something. Listen, anything in this house you need, it's yours. It's the least I can offer you. We damn sure can't stay here, though. How's it looking out there? Pretty bad, but there's places if you know where to go. There's a bunch of others at Emma Jaunt's right now. Well, I'll be damned. The neighbors were here all along. I ought to give them a piece of my mind for not checking in on me. Oh, you mean the husband? He's the reason I'm here right now. Got zombified, bit some people, and then the plane we were in trying to get out of here got shot down. He's dead. Damn shame, the son of a bitch owed me money. Oh well. I'll make my way over there after I say my goodbyes to this place. Yeah, you did good today, kid. Thanks again. Sure you don't want me to walk you up the hill? There's zombies everywhere, you know? Watch your tone, kid. I'm old, not senile. Peggy here will make sure I get there just fine. You'll see. Now get. Elle a l'air un petit peu offensive, Peggy, mais je sais pas si ça fera le taf au milieu de hordes de zombies, mais bon. Somebody up there likes me. Oh, maybe du coup, on a des clés. Un truc qui brille là-bas. Avantage poids plume. Zut. Barre-toi, coussin. Une petite barre de vie. Bon, les quêtes secondaires vont être rentables. Ah putain, le gimmick de l'enfer quoi. Tiens, mange ton coup de râteau. Sale bête. T'es morte, c'est bon? Ok. Clé du coffre. Ah, il nous a pas filé la clé du coffre, le salopio. Il est déjà parti. De la clé du coffre, non? Bon, on va se m'entraîner quelque part. Ah mais oui, elle avait été piquée par la fausse avocate là, qui était commissionnée par le neveu qui a fini zombifié. Ok, là on sort, on va éviter pour l'instant d'ouvrir les portes vers l'extérieur, comme ça à l'instant. Ça c'est la sortie principale. Faut qu'on trouve la fausse avocate. Peut-être elle. Le coup près d'hécatombe. Hell fucking yeah! This is sweet! Tony le parasite. Tony Sinclair le méga parasite vient d'arriver. Ce pauvre type évite de te retrouver seul avec lui. Je l'ai à l'œil. Comment monsieur Sinclair peut-il avoir un neveu aussi minable? Et il veut quoi? De l'argent? Forcément. Il doit se dire que Curtis sera de super bonne humeur avec son nouveau prix qui va faire pleuvoir les billets. Et si ça suffit pas, il a une avocate avec lui. Mais la classe, vraiment.
Quelqu'un devrait dire à Curtis de le virer, ce sale ingrat. T'as qu'à lui dire, toi. C'est toi, sa chouchoute. Je vais peut-être le faire, ouais. Hé, hey, rapporte un peu de reste. J'ai eu la germe pendant des heures, je crève de faim. Ouais, ça, c'est le début de l'invasion zombie, ça. Ouais, de la musique qui se met en place, là. Non, personne. Poudre à canon, si ça c'est pas la classe. Dans la cuisine quoi. Bon, par contre, il faut qu'on trouve l'avocate. Je vois pas où elle pourrait se planquer. Sauf si celle qui est dehors. Elle est partie. Elle est partie. Ok, donc ça devait pas être elle. Du coup. Et nous on peut pas grimper, hein, c'est mort. Hein. Ouais. C'est mûr. Hein. Je veux ouvrir ce coffre. Donnez-moi la clé. Donnez-moi la clé, je veux. Tant pis, on va sortir. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est aller recycler 2-3 conneries. Puisqu'on a l'inventaire plein, ça on recycle, ça on recycle, ça on recycle. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi. Ça c'est du bois brûlé à la con. Épée de fortune, 74 de dégâts, les trucs à 44, on va les virer. Se permettre de virer tous les trucs gris en vrai. Est-ce qu'on peut les bouger? Non, on peut pas les bouger. On peut fabriquer des choses, on peut fabriquer. Ah oui, trousse médicale, on n'a pas besoin. Du coup, est-ce que je peux. Alors lui il a quoi? Amélioration. Il a poids plume, augmente la vitesse d'attaque mais réduit la force et on a rien qu'on peut mettre. A priori on a rien pour améliorer les armes contondantes. Et toi t'as quoi? Hécatombe, augmente les dégâts aux membres et la durabilité. Ah, ça c'est un truc qui donne des bonus dans tous les cas. Ça c'est cool. Et là on peut mettre... augmenter la vitesse d'attaque mais réduire la force. Actuellement il fait 88, donc d'accord, donc si je mets... n'importe quel truc, ça augmente, mais pff, c'est des trucs qui donnent des avantages et des inconvénients, c'est peut-être pas une priorité. Et cette porte se ferme automatiquement, très bien, bon. Ah bah si, elle est là. Salut toi. Raté. Peine. Voilà. Donc elle avait pas la clé. Zut. Alors on va retourner là-bas, peut-être qu'on a raté l'avocate dans un coin. Putain la vache, on l'a scalpé quoi. Littéralement. Oh merde. Alors, est-ce qu'on a raté un truc ici en plus du message? J'ai pas l'impression, hein. Zut, comment on fait pour revoir objets à collecter, journaux. Tiens, c'était ça, Tony le petit malin. Blablabla. Bla bla. Encore au pavillon, je me offre des cadeaux de départ. Pavillon. Est-ce glandé au pavillon? Alors le pavillon, bah c'est ça non?
C'est toujours aussi gore, mais il y a toujours rien à prendre. Ouais, ça fait rien. Ah, tiens, salut toi. Ouh. Un petit niveau 5. Qu'est-ce qu'on a déverrouillé ? Bloqué au bon moment déclenche une forte explosion qui réduit la stabilité des zombies proches. On va garder la trousse de soins, ça me paraît plus stable. Hein. Bon bah va falloir qu'on bouge, hein, ça m'embête, mais je ne vois pas où pourrait être cette porte. Ah quoique, du coup on n'a pas fait cette pièce là. Mais du coup on arrive là, ok, c'est vraiment juste... C'était juste une petite avant-pièce quoi. Bah tant pis, on n'ouvrira pas le coffre, faut peut-être trouver le bon zombie... Comme il disait, tuer le bon zombie dans la ville et c'est bon. Faut qu'on trouve le bon zombie quelque part dans la ville. Non, écoutez, allons-y. Toi, t'es le seul cadavre à pas avoir disparu. Non, il n'y a rien d'autre. On va refaire la quête principale. En avant. Ah, salut toi. M'excuse, j'ai un râteau. Voilà. Il y avait un truc ça là ? Non, c'est un bidon d'eau. Et on dit bonsoir à Chobiti qui nous rejoint à côté. Salut toi, tu m'as pas vu venir hein ? Viens, mange. Tu peux t'écraser la tête ? Non, t'es déjà debout. Notre râteau commence à douiller, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une machette. On va prendre un... Putain, c'est le bordel dans notre inventaire là. Tous les trucs ils sont à bout du monde. Voilà. Ah bah il y a des zombies, il y en a partout hein. C'est le principe. Ah, je savais bien que t'étais pas morte toi. Vilaine. Un zombie dans le pavillon, tu veux qu'on aille voir? Allons-y. Dis bonsoir à Falsag. Ah, elle est trop fatiguée. Bah voilà. T'es celui-là ? Oui, c'était celui-là. Et bah voilà, il est mort. Bon, continuons d'avancer. Alors ici on a des petits panneaux avec des panneaux. Tiens mange. Et lui il est déjà mort. Bon. L'attaque en force fait le taf. Hein. Alors si on enlève la batterie avant. Qui c'est qui crie comme ça? Est-ce qu'il y a toujours l'alarme qui se déclenche? Ça c'est la question. Non. Parfait. Fendoir. J'aime le nom. Dead end. Try again, Carla. Un foutu bus qui bloque la rue. Shortcut this way. Je peux pas sauter là, non. Toi, t'es mort, toi ? Ouais. Poteau.
Mais non, je voulais effectivement que tu tombes en fait. Voilà. On rentre par effraction comme des gros sacs. Oh, il y a une licorne! Ah bah je vois que t'as encore mal à la voix quand il s'agit de voir des licornes. Est-ce qu'il casse les fenêtres? Ce qui est intéressant à savoir. On dirait que non. Je pense pas que les flics vont m'en vouloir. C'est effectivement probable qu'ils aient autre chose à foutre. Clé du trou à rat. Ah. On n'a pas les clés pour ouvrir ça. Tu t'en doutes, ouais. Il est monté par. Il est tombé par le plafond peut-être. Donc ici c'est ouvert au moins. Vieille bière en français quoi. Saloperie qui rampe là. Ouais, je sais, tu me tapes pendant ce temps-là. Voilà, petit coup dans les chevilles, tu fais moins le malin déjà. Ah, la carte. Ah, mes abonnés. Alors. C'est pas comme si Snapta était hors ligne. Tu verrais ta tête écrivant tes moindres pensées par texto et de les partager avec tes 50 000 followers. Priez tous pour moi. Je viens de me faire THE sandwich sans gluten à la dinde, un truc incroyable. Sauce abondante, entièrement dégraissée, feuilles de laitue parfaitement craquantes et pointe d'aioli. Délice total. Ces deux semaines où j'ai pu me recentrer sur moi-même ont été fantastiques. J'espère juste que mon garde-manger va tenir le coup. Encore un merveilleux coucher de soleil à LA, cette vue est carrément à couper le souffle. Marshmallow vient de faire pipi sur mon plaid en cachemire avant de s'asseoir dedans. Bah là il fait pourri en vrai. Par moments comme maintenant, il est important de se souvenir à quel point on est tous bénis par la vie. Les temps sont durs, mais il y a toujours plus de positif que de négatif. Désolé pour ce rappel à la réalité, lol. Allez, on ferme les yeux, on ne bouge plus. Quelqu'un pense encore à cet apocalypse zombie en ce moment? Non, je suis la seule. Ok, très bien. Je promets que si jamais il y a un apocalypse zombie, je vous ferai un dernier petit stream avant. Pour les 1 million squirmeurs et pour les 10 millions squirmeurs. Ah, il faut en plus, il faut une clé pour le coffre, quoi. Et B. Tout ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait de clé planquée quelque part. Hein. Je pouvais ouvrir les petites commodes à l'entrée. Ah oui. C'est toujours ça de prix. Non, ça ouvre. C'est juste tu fouilles la commode de manière générale. Bon bah il est temps de se débarrasser de lui. Tiens mange. Ah mais c'est un zombie spécial. Troy du Troir. Tu me donnes ta carte, tu machin, puis pour la... Tu me donnes rien d'autre, sérieusement. Ça se loot pas ce machin? Bah non, on dirait pas, écoute. C'est après on a récupéré une carte déjà, mais je crois que c'était pour c'était pour ouvrir la porte. On peut plonger dans la piscine, ok, admettons. D'abord on va fouiller parce que je sais pas si on peut remonter après. Il y a un sac qui part un peu en sucette. Du coup je pensais que c'était le même que de l'autre côté, mais non c'est pas le même que de l'autre côté. Je vais aller faire l'autre côté avant. C'est pas relié. Ah on peut déverrouiller ça. Qui me permet d'ouvrir aux zombies, exactement. Pas très utile. Hop. Je peux pas refermer. Ça se referme des fois un peu tout seul. Mais
par contre. Là, il faut une clé, c'est ça. Un zombie sac, ouais, c'est un peu ça, ouais. Même les zombies sont zombifiés. Je suis seul dans la maison. Il est 1h du matin et je veux juste dire que je suis désolé à tous mes fans que j'ai déçu, mais plus important à mes sponsors, je ferai mieux la prochaine fois. Pleurez ici pour attirer la sympathie. C'est pas scripté, ça vient du cœur. S'il vous plaît, prenez l'évacuation sérieusement, c'était une erreur, je n'aurais pas dû blaguer à ce propos. Ok, je touche, Ça c'est un Non, c'est un sprinter de base lui. Salut mec, t'es tombé. Alors est-ce qu'ils peuvent escalader? Non, il s'est tué en tombant. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre. Mais bon, dans le doute, hein, on fouille. C'est vrai qu'en général dans ce genre de jeu j'aime bien les armes tranchantes, mais là avec le mécanique de stabilité, les armes contondantes sont quand même méchamment efficaces quoi. Bon bah il est temps d'aller fouiller l'étage du dessous hein. Toi t'es mort, c'est ouvert là? Non, c'est fermé. Donc on est en relative sécurité. Oh, un burger zombie. C'est grand. Je sais pas si c'est un zombie ou un cadavre, on ira voir plus tard. Tu te vois pas bien. Si je fais pas de bruit, il a pas de raison de venir normalement. Merde, j'ai déclenché une alarme. T'as cassé la cave à vin. Bah ouais, j'ai cassé la vitre de la cave à vin en voulant me défendre. Tout ça pour des bouteilles qu'on peut même pas prendre quoi. Y'a rien en plus, je veux dire. Non, y'a rien. Ah si, là y'a un truc. Des composants électroniques parce que j'ai pété l'alarme. Bah c'est toujours ça de prix. Histoire qu'on sait peut-être attirer des gens, j'ai pas l'impression. Non, bah y'a rien. En plus, on aurait pu ouvrir la porte. Ah non. Parce qu'il fallait une clé. C'était pas mal comme maison, hein. On se refuse rien quand on est streamer. Incroyable ça. Moi j'ai pas le piano jaune au milieu de la maison. T'as pas le piano jaune au milieu de la maison? Bah écoute, si t'aimes pas le bleu, on en rachètera un. Non, j'ai pas la même face avec, non, pas trop. Je suis même pas sûr que j'apprécierais en vrai, c'est quand même assez kitsch. C'est un peu too much, ouais, comme dit Shobiti. Genre, qui a besoin de 4 fours, quoi. En fait, j'ai beaucoup mieux. Bah, je dis pas que je serais contre, hein, mais il y avait un zombie ici avant. Il est parti où? Il était en train de manger la dame. La dame, elle est morte, du coup. La licorne est toujours là. Où est le zombie? Zombie. C'est toi là? Tu fais style, t'es en train de dormir? Non, il a l'air bien mort là. Ouais. Ah, non, là-bas. C'est un contaminé de base. Bim! Tiens, dans tes gencives. T'es pas tombé, sérieusement? Voilà. Tu as pété les gencives, Ouais, ils sont assez bien réussis, les zombies, je trouve. Hein. Là, zombie! Mais tu sors d'où, toi?
sérieusement. Celle-ci un peu mal fréquentée, ouais, mais non, mais c'est vrai que des fois j'invite Xebus, je suis d'accord que ça par contre je peux concurrencer. Tu l'auras cherché. Les zombies avec un crâne sont mortels et vous mettront en pièces, quoi. Mais oui, mais où? C'est quoi, ceux qui sont par terre là? Toi t'es un vrai zombie toi. Parce qu'il y a la musique qui démarre. La petite notif qui dit attention, un zombie avec un crâne, c'est mort. Mais je vois pas de zombie avec deux crânes en fait là. Qu'est-ce qui m'a pondu là? C'est marqué quoi sur le mur? Sur le mur. Nobody care, do it until you die. Non, nobody care until you die, do it j'imagine, un truc du genre plutôt. Il y a la musique qui démarre là, mais il est où le méga zombie? Non, elle s'arrête quand je sors. Tous les coups, il doit être quelque part, mais en dessous, une connerie du style. D'argent, trousse de soins, on en a pas besoin. Bon, bon, bon. J'ai vu un truc sur mon écran, ouais. Un truc rouge, une flèche, ça réapparaît pas. Bon, il y a un zombie ultra costaud qui traîne. Et on peut pas monter sur la corde. Oh, cette physique magnifique. Arrête de crier toi. Dans une piscine, bon Dieu. Un petit peu de respect. Putain, j'ai pas ramassé ça. Elle est où la clé? Bah je sais pas, j'avoue que là j'ai un peu tout fouillé, j'ai l'impression. Ah bah l'étage d'en dessous, t'as pas fait l'étage d'en dessous. Il y a un étage encore en dessous. T'as pas fait l'étage d'en dessous. Ah oui, c'est vrai, il y avait le zombie dans l'escalier là. Enfin après peut-être que du coup il y a effectivement un zombie très fort, on va voir si on trouve le zombie avec un crâne. Ok, il y a un contaminé de base là. Il est pas mort. Hop. On va pouvoir le shooter. Non. Il est pas au sol. Toi du coup, t'es vraiment mort. Alors, est-ce qu'on voit un zombie avec un crâne? Et pourquoi il y a un deuxième salon après le premier? C'est quoi cette logique? J'avoue que la maison elle est plutôt vénère. Hein. La musique se relance pas. T'es bien mort. J'aime bien ta tête du pied pour être sûr. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Reste par terre, on a dit. T'es mort là. Non, t'es pas mort. Ouais, maintenant t'es mort. Bien, 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 bien. Il y a une salle d'arcade en bas. Pourquoi pas? Encore un mec du Touara, mais il a pas de crâne normalement, même s'il est costaud, plus que d'habitude, ça va, il est gérable. Il y a des queues de billard, on va les prendre, au pire ça fera des trucs recyclés. Là. C'est une sacrée baraque, hein, comme dirait l'autre. Ah, on peut passer derrière le bar. Très bien. Bon. Globalement, je trouve que niveau trousse de soins et tout, ça va. C'est quand même plutôt tranquille. Y a pas trop de stress avec la vie. Peut-être parce que j'ai pris ce perso là aussi, mais
Ils ont tous plus ou moins des trucs pour sustain, comme dirait Xibus. Bon bah on n'a pas trouvé la clé. On a trouvé la carte pour revenir éventuellement plus tard, mais... Il y a des bruits. Ah, il est là ton gros zombie. Bah je sais pas si c'est lui, ça a l'air d'être un zombie de base, non, non c'est un zombie. Il est juste réapparu en haut parce qu'on est resté assez loin pendant assez longtemps. Bon bah on va progresser hein. Alors ici, il faudrait qu'on mette de l'eau si on veut ouvrir. Ici, il y a plein de monde. Je crois qu'il va être temps de prendre une petite arme, notre petit râteau. Ah non, ça a fait le taf. Il n'y a pas derrière, hein. Non. Zut. Ça s'est désactivé au mauvais moment. Heureusement si on les électrocute dans l'eau, ça leur fait pas plaisir. Ouais, sans doute. Du coup je me suis un peu coincé le chemin, c'est pas grave. Oh, y'a un flamingo. Y'a un flamingo, exactement. Où est ma clé? Voilà, un zombie en haut, mais on va dire que c'est pas grave. C'était quoi ce cri? C'est toi qui crie comme ça? Non, tu peux pas crier comme ça, toi. Ouais, ok, il repop plus ou moins dès qu'on s'éloigne, ça y a pas de problème. C'est légit comme mécanique. Alors tout à l'heure le jaune était là-bas et maintenant il est ici. Ah, je m'attendais à ce qu'il faille connecter l'électricité. Mais non, on dirait pas. Et du coup là-bas, pourquoi il n'y a plus le bouton de quête ici? Ok, on a en fait plusieurs chemins. Intéressant. Why not? Dans 80 mètres, tournez à droite. Ah bah bravo! Le mec il écrase un vélo quoi. Ah, ils avaient déjà prévu des bus un petit peu énervés. Visiblement ça les a pas sauvés. Ouh, ils sont level 5. En train d'essayer de casser cette porte. Il nous faudrait un fusil. Bon, on n'a pas. Pas de bol. Et là, c'est la maison de tout à l'heure. Ok. C'est là où j'ai ouvert. Ouais. Donc, si jamais on trouve un fusible, on pourra peut-être revenir. Alors là on a enlevé la batterie donc il n'y aura pas d'alarme, en même temps il n'y a pas grand chose à récupérer. Ils ont été électrocutés à mort. Ok, on arrive à l'hôtel. Sortie de zone. Le vélo était pas sur sa voie. C'est vrai. C'est vrai que Los Angeles n'est pas réputé pour ses pistes cyclables. Hein. On va dire que les rues, c'est...
pas de trottoir, pas de piste cyclable, des gros murs et des barrières de sécurité. C'est de la bagnole et point barre, quoi. Allez, on y va. Quelque chose me dit que c'est plus trop le thème. Hi, I'm Carla, and I'm immune. Perfecto. Just gotta find the Halperin Hotel. Des shurikens. Alors, est-ce que c'est infini ça aussi? On verra. Il y avait un truc là. Oui. Putain, il y a du monde, hein. Toi, t'es mort. Ouais. Ça a pas l'air d'être hyper safe. Hein. Ça a pas l'air hyper safe. Ok, déjà il y a un établi, ça c'est cool. On va liquider un petit peu de matos. Alors, le fendoir, 89 de dégâts, c'est pas tant, on va le virer. On démonte pneus, les queues de billard, on a suffisamment de grosses armes. Est-ce qu'on peut réparer du coup? Comment ça se passe? Entrée. Et égaler niveau, ça fait quoi? Ah d'accord, niveau 4 à 5, 88 à 103. Ah nice, on peut upgrader les trucs. Ah mais ça coûte de l'argent, pas des pièces, très bien. Voilà dans l'os, est-ce qu'on peut réparer? Ça coûte sûrement des trucs pour réparer. Bon, on a dépensé plein de thunes pour améliorer nos armes. Eh oh, tu te calmes. Non mais oh. On va essayer notre nouveau shuriken, tiens. Ah d'accord, ça en lance plein. Et après, faut que ça recharge. Par contre, ça fait du dégât. Hein. Bim! Alors, là-bas, il y a visiblement des militaires qui tentent d'entrer quelque part. Là, il y a une boîte aux lettres qui n'appartient à personne. Une voiture green. Cleary dans le Silid, ouais. Ok, ils étaient trop loin pour que je touche les deux. Ils sont vénères. Un petit peu costaud, mais bon, heureusement, ils sont pas trop agressifs. On a encore 120 mètres à faire là. Bim! Attends, on le one shot même pas quoi. Il est costaud avec son casque cet enfoiré. Après, en vrai, on n'est pas vraiment obligé de les tuer, je pense. C'est quoi cette musique? Pourquoi t'as une petite musique comme ça qui se déclenche là? Vas-y, tu s'électrocutes pas. Je pensais. Ouais, bah, du coup, on va te faire à l'ancienne, hein, tant pis. Hein. Excuse-moi, ça a attiré d'autres gens ou pas? Non, ça va. On récupère notre râteau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un groupe électrogène. Il alimente quoi? Bah, il va là-bas. Ça me paraît une idée de merde, mais on va essayer. C'est effectivement naze. Mais ça fait pas tant de bruit, ça a pas attiré les zombies qui étaient juste là. Ok, admettons. Putain, j'avoue, la vache quoi. La violence quoi. Je peux pas rallumer le groupe électrogène et envoyer ça là-bas, ça me paraît un peu loin quand même. Hein.
Je suis pas convaincu que balancer mon tuyau suffira. Ouais, j'étais sûr qu'il était pas mort. Il était trop calme pour être vivant. Putain la vache, il commence à être bien énervé hein. Alors, il y en avait un qui était en train de remonter là-bas, c'est bon, il a pris son temps. Tiens, hop. La petite cutscene. Est-ce que si je balance mon truc dedans là, ça suffit? Oh. Ça c'était pas discret par contre. C'était pas le râteau, c'était la machette que j'avais lancée pour une fois. Ah merde. Putain, ils sont trop petits, j'arrive pas à les taper. Sérieusement. Tiens, mange. T'en prendras. Hop là. Ouais, les explosions ça attire les sprinters, hein. C'est normal. Clé de la caisse de Jamal. Clé de la caisse de Jamal. Zut, il faudrait qu'on trouve un certain Jamal. Et qui nous donne sa clé, parce qu'on a trouvé les mecs du Trouara et ils n'ont pas donné de clé. C'est vrai. C'est vrai que s'il faut le tuer et qu'il loot sa clé au bon moment, c'est un petit peu. Voilà. Longué, on va dire. Alors, est-ce que le coffre est à l'avant? Non, il n'y a rien dedans. Halperin Hotel, there it is! Great job! Non, je suis pas non plus convaincu que ce soit. Parfaitement adéquat. Alors, mes mamans, c'est la troisième fois que j'essaie de vous écrire, je ne suis même pas sûr d'aller au bout. Ok. Il y a trois journaux à récupérer dans cette truc merde, mon vieux. Hop là. Oui, on a profité pour mettre un coup. C'était vilain. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Where is everyone? Au hasard mort. Les traînards sont vachement plus faibles que les contaminés, hein. Concentré sur les zombies effectivement. Alors là c'est blindé d'électricité. Il faut un volant de van si on veut fermer l'eau, très bien. Il y a aussi des tuyaux de pétrole dans le sol, tout est normal. Mieux faire hein. Ah c'est sérieux? Bah ouais, j'avoue, comment il a pu me choper aussi facilement là. C'est un peu la teuf, je tiens à le dire. Attends, j'avoue que quand il y a tremblement de terre ça déconne pas hein. Voilà, sans tête, les sprinters, ils sprintent moins bien. C'est bien connu. Sans jambes, ils sprintent moins bien, tu dis toi? Oui. Bon. Serrure magnétique, ok, donc il faut péter. Alors déjà, il y a un truc de sécurité. On n'a pas une petite arme à la con là, tiens ça. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Et donc ça va là,
et là. Pratique. Et j'ai envie de dire. Les nouvelles consignes de sécurité. Ça peut peut-être être intéressant. Alors, c'est ça qu'on n'avait pas lu tout à l'heure. Ils ont mélangé de l'héro avec du sang contaminé. Quoi ? Non mais vous êtes sérieux ? N'allez pas dans la salle de bal et n'approchez pas de la piscine. Apportez vos êtres aux militaires, ça vous est directement demandé, mais sinon ne vous mettez pas dans leurs pattes. Les contaminés ne sont pas considérés comme des clients. Je vois. Restons terre à terre jusqu'au bout, hein, surtout. Un parking. Voilà ce qu'on veut. Un bouton, ça. Ah putain. Lui, il a un crâne rouge. Ouais, lui il avait carrément un crâne lui. Je me suis ou pas? Ah putain, je me suis. Casse-toi. Aïe aïe, il esquive et tout quoi. Cassos. Bon, visiblement l'appât a fonctionné. Par contre, c'est un petit peu la foule. Ah, il est pas mort lui. Daddy, meurt. Et l'autre, il est mort, c'est bon. Ouais. Ok, en plus un sprinter quoi. Chaud à, chaud à esquiver. Hein. On va se tirer du coup. Bonne nuit, Falsag. Bonne nuit, Falsag. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter aussi. On est arrivé jusqu'à l'hôtel. Il y a un petit comité d'accueil. Avec plein de bidons de carburant, on a rien pour mettre le feu, c'est presque dommage. Ah merde. Hello ? Ça va, ils se sont tournés mais ils ont pas encore commencé à venir. Ok. Du coup, ah si, y en a quand même un qui vient. On va le finir. Et on va s'arrêter là. Et ben j'espère en tout cas que ce live et que ce premier aperçu de Dead Island 2 vous a plu. Il y aura la rediff qui va sortir probablement dans le week-end et on va en refaire d'autres tout au long du week-end très probablement. On va profiter de pas bouder notre plaisir. Merci beaucoup d'être passé, merci Xebus, merci à ceux qui sont encore sur le live. Je peux dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein, ça sera pour la VOD, mais n'hésitez pas à laisser un petit commentaire quand vous regarderez ça en VOD. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.